Salut les amis, c'est Cyril. Salut les loulous, c'est Kono. On se retrouve au nouvel épisode de Temtem. Et ouais, on est parti, ouais, on continue. Et finalement, bon, on va tous leur péter la gueule. Hein. Bah, parce qu'on sait pas qui est du... Lui, c'est un bel soto, lui. Ça, il n'y a pas de problème, il a la casquette. Hein. Ouais, bel soto mal déguisé, je suis bien d'accord. Il est très mal déguisé, pire. J'avoue. Mon joli Adoroboros que... Bah, cible Sako avec du toxique. Oui, oui. Ah, comment ça, ton âme brûlante, elle brûle. Ah, c'est pas une attaque super forte, mais bon. Bafounette. Oh, tu t'es pris une bafounette. En tout cas, on espère que vous allez bien. Oui. Pour nous, c'est une nouvelle session, du coup. C'est ça. Je fais un gaz toxique. Donc, ça va toucher Drakash aussi. Alors, si tu veux tout attaquer Drakash ou Sako. Tu vois, voilà, ça a tué sa coup, c'est ce que je voulais. Non, déjà un mort. Un Drakash, voilà. Du coup, à la base, on avait prévu de, comme on vous a dit dans la fin de l'épisode précédent, c'est-à-dire faire en sorte qu'il nous reste juste un bel soto. Sauf qu'au final, on a eu quelques empêchements ce week-end qui nous ont empêché de tourner davantage. Et là, on est un petit peu dans l'urgence. Donc, nous tournons cet épisode. Donc, on n'a pas énormément le choix que de continuer et éclater tout le monde. Hein. Bah ouais. Ciel, mon mari. Ciel, j'ai été repéré. Bon, moi, je vais soigner mon petit... Mon pauvre petit Adoroboros. Tu me dis qu'en second. Vas-y. Hop. Bonjour Madame Elsato. Ici, œil d'azur. Oh. Eh ben comme quoi. Non mais j'ai désinstallé le jeu. Je l'ai retéléchargé intégralement. Ça n'a rien changé. Eh ben écoute, j'ai un mix et un Psypath. Qu'est-ce que j'attaque avec Adoroboros? Psypath. Un Psypath avec du toxique. Ou du mental. Ah, du mental, ça passe? Bah, il est mêlé. Ah, bon, il faut que j'attende que le chronomètre de mon amour arrive à zéro, quoi, en fait. Donc, voilà, vous voyez, hein, je suis en attente. Je suis en attente. Sérieux, ça me saoule. J'en peux plus de ces crashs, franchement, c'est insupportable. Ouais. Et c'est que en multi. Quand je suis tout seul, j'ai jamais de crash. Ouais, c'est toujours. Et puis, comme c'est toi qui me prends en groupe, c'est que toi qui crash. Moi, je crash pas, moi. On pourrait croire que je pourrais crash aussi. Bah non, moi je crash, je suis pas poli. Mais moi, je crash pas. Bah ouais, tu crashes tes molars divins. 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dans les coulées! Bonne année! Ah non, merde, c'est dans 4 semaines. Ouais, c'est dans 4 semaines, chérie. On espère d'ailleurs que vous retrouverez vos proches en cette fin d'année, que vous souhaitiez, enfin que vous fêtiez Noël ou non. Exactement. On espère que vous pourrez retrouver vos proches et passer des moments agréables en leur compagnie. Oui. En attente de Serac. Wouah, le Serac est revenu. Et il est pas content. Ouf. Bon, moi je meurs. Non, peut-être pas. Oh putain, mon Adoroboros. Il t'a pas enlevé la moitié de ta vie, hein.
Mon bouclier de pierre a fonctionné. Putain, essaye pas, tu crèves ou pas? Non, il a résisté à un point de vie. Oh le salopio. Oh le salopio. Puis moi je vais crever aussi, donc je me casse. Vas-y. Vu que j'ai pris une attaque gratos. Bah ouais. Bon bah. Je pensais que j'étais plus rapide que Mix. Je pensais que j'aurais été plus rapide que Mix. Je pensais que j'aurais été plus rapide, mais bon. Je vais cibler Saipat. Puisque okay. Mix peut pas attaquer de toute manière. Ouais. Puisqu'il s'est épuisé au toit. Ouais. Mais voilà, du coup, bah, j'en avais parlé avec un viewer qui nous regarde probablement de cette histoire de crash et qu'on se demandait si réinstaller le jeu de zéro changerait quoi que ce soit. Et bah, la réponse est non. Non, ça ne change rien. Ça ne change strictement rien et j'ai l'air d'être un cas isolé. Donc, je ne comprends pas d'où vient le problème. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est étrange hein, quand même. Hein. Que tu sois le seul à crash comme ça. Bah, je vois personne qui parle de crash intempestif aussi régulier que moi. Bah ouais. Hein. C'est un enfant de 2 ans qui a écrit Spado. Ah oui, en effet. Il faut leur parler. Pèlerin louche. Votre pèlerination. Qu'est-ce qu'ils sont faciles à repérer, bordel. Ouais. Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Tu peux faire très mal à Mushuk avec émission bêta. Bon bah alors je vais lui faire bobo. Après Mastionné n'aime pas le poison non plus. Mais ils sont super rapides, hein. Bah, c'est surtout que nous, on a des items lents. Enfin, moi, surtout. Waouh, pas de ouais, elle est magnifique, cette attaque. Elle est superbe. Tu t'attaques à qui? Bastionné. Ok, bah, oh. Pourquoi j'ai une... Une quoi? Scission de l'écran. Parce que des fois ça se met comme ça. D'accord, ok. C'est la première fois que ça m'arrive. Moi j'ai toujours une caméra fixe comme tu vois. Moi j'ai... Ouais, la caméra elle bouge jamais. C'est un truc de fou. Je... je découvre des trucs. Bon bah... Un requin Picard. C'est ça. Un requin de chez Picard. Et à ce qui paraît, les ailerons de requin, c'est très bon. Hein. J'en ai jamais goûté. Oh, un Océara. J'en ai jamais goûté, mais à ce qui paraît, c'est très moi bon. Moi non plus. Qu'est-ce que je peux te faire à toi? Bah, du toxique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Océara, il est haut. Ouais, il est haut, donc il aime pas le toxique. Et l'eau n'aime pas le poison dans ce jeu. Ouais. Ce qui est plutôt logique. Je trouve que de manière générale, les comment dire, les interactions entre les types sont relativement logiques. Bah l'eau qui aime pas le poison. Bah parce que tu peux rendre une eau empoisonnée. Oui. Tu peux polluer une eau avec avec des substances toxiques. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est pour cette raison. Hein. Ouais. Bah c'est une raison qui est valable. Hein. C'est-à-dire les créatures marines se font malheureusement décimer par des trucs genre des marées noires, des trucs comme ça. Ouais. C'est terrible, hein. C'est terrible hein, ce genre d'événement. Ça, ça ne devrait pas arriver, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Excuse-moi, j'étais en train de...
Joli. Ah punaise, ils sont tous teubés. Mais oui, ils sont tous cons, je reviens. Ils sont tous teubés. Mais un truc qui me fait mal là, évidemment, c'est quand tu mets un Temtem plante qu'en face, il y a un Temtem feu. Putain, mais c'est pas possible, sérieux? Bah ouais. Ah mais purée, c'est pas possible! Ah punaise, le pire c'est que tu peux pas mettre Nesla à cause de Zenoret. Il aurait fallu Chouin en fait. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Parce qu'en plus ton Chouin il est la crème pan solaire. Trop mignon Chouin. Pourquoi c'est moi qui l'attaque? Il a fait calorification, faut le tuer tout de suite. Je vais m'en occuper. Ok, j'attaque Zenoret. Ah, attends. C'est de la flotte, de la flotte, de ouais. La flotte. Voilà. Ils sont la merde arrivée, lui. Ils sont là, c'est ce que j'allais ils dire. Ils sont la douille. Ils sont la douille. Qui s'est mis un bouclier. Il a senti la douille arriver, lui. Miam, miam, miam. C'est ça. Il va faire la miam, même. Miam, miam, miam. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Le truc à jamais faire, attaquer Nounours. Faut tellement jamais le faire, ça. Faut jamais manger Nounours. Faut jamais attaquer Nounours. Parce que tu te fais très vite bouffer. Ah, surtout quand Nounours, il veut te taper toi. Quoi. C'est ça. C'est pas le bon plan d'attaquer Nounours. Non. Après, venez, t'es le boss, on est dans la merde. Vite. Trop tard. Ton score est de 0 points. Il nous reste 5 pèlerins. 5 pèlerins? Ouais, il y en a un dans la flotte là. Bon, ben voilà. Mais que... Deux en un épisode. Je crois que c'est un record. Bon alors, elle a envoyé un Sakou et un Yggdrasil. Bon, je vais m'occuper de Sakou, hein, parce que j'ai du poison. Mais en fait, je pense qu'on va couper l'épisode maintenant. C'est ça, on va se laisser sur cet écran noir, mes chers amis. Lâchez des c'est pouces bleus. Pire qu'avant. Commentez, partagez, abonnez-vous, soutenez le Serac hein, dans ses crashs. Et on vous dit à demain. Ciao. À demain.